Les trophées de l'accueil pour cette première édition ont été initiés par le groupe de travail tourisme de la Chambre de commerce de Bordeaux. Et l'objectif de cette mise en lumière des activités de loisirs, des commerçants, des commerces et des restaurants, puisque ce sont les quatre catégories qui ont été récompensées ce soir. Le but était vraiment d'accompagner ces professionnels du tourisme et ces commerçants afin de mettre en valeur tous leurs efforts sur tous les territoires, puisque l'idée était bien sûr de représenter toute la Gironde. Et nous avons eu plus de 70 candidatures, ce qui est un réel succès. Sur les 70 candidatures, 58 candidatures ont été retenues et nous avons eu vraiment la représentation de tout le territoire de la Gironde, des gens qui se sont fortement impliqués à la fois dans le remplissage de leurs dossiers, mais également dans l'effort qu'ils ont pu faire dans la qualité de l'accueil de leurs touristes. Une chose importante quand on a travaillé sur la création de ces trophées, c'était d'associer tous les acteurs du territoire. Et nous remercions vraiment les offices de tourisme et Gironde Tourisme qui se sont associés à cet événement parce qu'ils ont été source de motivation auprès de leurs adhérents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu, je pense, tant de candidatures. Et nous les remercions vivement de leur participation. Voilà, j'espère que l'année prochaine sera également un succès aussi important que cette année.